Salut les viewers, c'est Marcus Bonus. Et bienvenue dans la playroom, dans l'épisode de Starband V5 Glad Giraffe. Alors donc, chers amis, il nous faut un Moon Emblem pour une des missions qu'on a à rendre. Je suis donc allé chercher la map sur starbandmap.com. Donc j'ai des coordonnées 40, 51, 42, oula. 42, 63, 71, 9. Ok. Et ici j'ai moins 50, 89, 08, 74, 6. Hop. On devrait tomber sur un système de type radioactif, très précisément. Voilà. Il me faut la 3. Voilà, c'est une alien, c'est exactement ce qu'il me faut. J'en profite pour recharger ici de ce côté. Donc vous voyez que j'ai tout bouffé. Je vais dormir un petit coup pour régénérer un petit peu ma santé. Vous voyez que j'ai envoyé la boule du truc là. Sachant qu'il faudra absolument, chers amis, que je les récupère tous. Je pense, lors de l'installation en admin du vaisseau. Je la ferai une fois que le vaisseau sera terminé. C'est-à-dire qu'une fois que le vaisseau sera terminé, je ferai la construction en admin du vaisseau, comme j'ai toujours pu faire. Je sais pas encore trop ce que je vais faire. Je vais peut-être me renseigner sur le net, voir ce qu'il y a comme super vaisseau humain. Ça pourrait être intéressant, quitte à en copier un et que vous puissiez, après d'ailleurs, que je puisse vous donner l'image et que vous puissiez le copier vous-même. Ça pourrait être sympa aussi. Ne pas faire que des trucs que moi je fais, hein. Je suis pas un super constructeur. Attention, je sais que certains m'ont dit le contraire depuis le vaisseau Nova Kid. Donc vous voyez, à cause des commandes des blocs, là je peux plus passer correctement sur le haut. Bon, ça c'est encore un autre problème. Là, il nous faut 5 du Durasteel Bar, un diamant et 5 Gold Bar. On les a, chers amis. Donc je vais le faire. 5 Durasteel Bar. Où sont-elles? Ici. Non plus. Si, elles sont là. Hop. 5 Gold Bar et 1 diamant. Vous allez voir qu'on les a. Et je vais vous expliquer pourquoi ça va être aussi utile de l'avoir, ce portable pixel printer. Il nous permet en fait, une fois utilisé, de crafter, voilà, des nouvelles choses. Et ces nouvelles choses sont craftables ici. De meilleurs bandages, par exemple. Des lumières, que je peux crafter pour 100 pixels pièce. Ce qui est extrêmement cher, avant c'est 50 pixels, il me semble. Bref. Et les fameux wall panels qu'on peut voir un peu partout dans mes constructions. Voilà. Alors. Il a été consommé? Il a été consommé, d'accord, pourquoi pas. Ok. Bon, alors, maintenant qu'on est sur la planète, on va en faire le tour, mais avant ça, on va aller regarder les différents textes aussi. Au niveau des textes, il nous donne le Skyrider, voilà, l'énergie dash, le pulse jump, le gravity, voilà, les différents jumps. Il nous a pas encore donné le... D'accord, il nous a pas encore donné le blink. Pourquoi pas. Ok, bah on descend alors. C'est parti. Et ensuite, nous crafterons donc notre armure pour le prochain boss, je pense. What, t'es quoi toi? What? Hop, voilà. Ok, donc il y a de la saloperie sur cette planète. Il y a un coffre ici. Alors, allons voir. Hop. Oh. Bien joué. Hop. Oh. Ça pouvait pas être un petit coup de heal? Ah, puis j'ai rangé mes... Ah, casse-toi. J'ai rangé mes steampacks, comme abruti. J'ai fait un petit peu de rangement dans mon inventaire et j'ai tout rangé. Hop. Yo. Ok, bon. On va faire gaffe quand même, hein. Alors par exemple, vous voyez, avec les nanovrap bandages, je sais plus ce qu'il faut pour en faire en fait.
Je crois qu'il faut aussi des pixels. Hein. Non, même pas. Si, il faut aussi des pixels. Ça coûte extrêmement cher au final. Mais bon, on essaiera d'utiliser un peu plus de choses que dans les précédentes aventures. Vous verrez quoi, ça peut-être augmentera peut-être un petit peu la durée de vie aussi de cette aventure. On verra bien. Aïe. Bon. Hop. Alors, normalement, il est censé y avoir un temple à Vianne. Hein. Je précise quand même. Mais il arrive que les gens mentent hein, dans ce... sur ce site. Hein. Bon là par contre on a quand même un Segren, normalement supposé être le modérateur de la du wiki russe de Starbound, donc ça devrait être normalement assez sérieux. Hop. Ok. Vous croyez qu'il me voit, qu'il me regarde? J'aimerais bien que les monstres subissent les dégâts de chute. Ah bah oui, un temple à Vianne. Bonjour. Alors nous on recherche un Moon Emblem, chers amis. Hop, vous allez voir ce que c'est très bientôt. Ah, faut que j'ouvre celle-là, d'accord. Ok, ça risque de faire mal là. Ok. Je crois que là je vais gagner. Hop là, ouais, bah, j'ai failli quand même crever. Hein. Nom de Dieu. Bah le voilà le Moon Emblem en plus. Le voilà, chers amis. Hop. Bah j'irai le 3D printé, de toute façon on trouvera pas d'armement efficace ici. Du coup ça vaut pas le coup d'y rester. Hop, je suis con, je sors mais on peut remonter directement sur le vaisseau même. Je vais quand même, chers amis, au passage. Je vais quand même aller le 3D printé. Je sais pas pourquoi, je l'ai pas fait pour les autres et je sens que je vais le payer. Ok. Ok, j'en ai un. Un instant. Heureux, chers amis. Alors voilà. Donc j'ai réussi à retrouver les objets que j'avais pris. Donc c'est-à-dire le glitch codex et le glitch globe. Je savais pas du tout où est-ce que je les avais mis. Donc voilà, de ce côté-là, on est bon. Maintenant, on va retourner à notre poste rendre la quête. Et il va nous falloir faire ensuite l'armure qui va avec. C'est-à-dire l'armure qui va avec la prochaine mission que nous avons pu choper chez le même pingouin qui nous avait donné, il me semble, la deuxième mission, si je ne me trompe pas. Est-ce que je l'ai pris le... Oui, je l'ai pris le Moon Emblem. Parfait. Alors, où est-il? Aïe! Voilà! Manipulateur module et tech drive. D'accord, pourquoi pas. Alors, on va peut-être aller voir au passage si ça nous a débloqué quelques techs d'avoir fait toutes les quêtes secondaires de ce. Pardon? Je vais pas avoir mes diamants sur moi. 8 diamants. Ah bah si, je les ai, cool. Merci! Cool, 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 donc on va avoir un plus grand vaisseau, en plus. C'est cool tout ça. Donc. Alors, on va aller voir Sail au passage. Let's talk. Hop, merci. Juste à tout hasard, il me reste combien de trucs? Il me reste 3, il va falloir qu'on en refasse le plein, chers amis. Hein. Donc ça nous a agrandi. Hop. Le cockpit. Parfait. Et vous pouvez le voir maintenant, dès à présent, il y a maintenant un étage. Je pense qu'il est complet, normalement, l'étage. Hein. Hop, on va quand même aller voir, voilà. Oui, oui, il est complet. Il me semble. Il me semble qu'il est complet. Voilà, peut-être, il va peut-être se rallonger encore un petit peu, je ne sais plus. Je crois qu'il va se rallonger. Enfin bon, voilà pour les petits détails, chers amis. Alors, ensuite, il nous faut notre armure. Donc pour faire notre armure, il nous faut une table. Pour avoir une table, il nous faut récupérer l'ancienne. Et nous, on avait dit qu'on ferait, chers amis, une armure, une accélérateur stable. Du coup, il nous faut un maximum de durasteel. Attendez, je vais vous remontrer ça correctement. Voilà. Un maximum de durasteel, du raffinage salt et donc la table, l'ancienne table.
Alors, raffined. Voilà. Refined, pardon. Pourquoi j'ai envie de... C'est du raffiné, en fait. C'est pour ça que je veux le dire, mais... Enfin, bref, vous me comprenez, chers amis? Vous êtes bien les seuls? Hop! Voilà, on a fait la table. Et maintenant qu'on a fait la table, crac, on peut la poser. Une fois qu'on l'a posée, hop, on a accès directement à toute l'armure, plus l'armure entre guillemets supérieure, qui va avec entre guillemets le bout qu'on a acheté. Donc il me semble c'est chez les Apex. Hop. Et vous voyez qu'on en débloque aussi l'armure suivante. Hop, voilà. Maintenant qu'on a toute l'armure en question. Hop. Hop. Et hop. On peut aussi regarder, donc vous voyez, Ferrosium Compound, pour faire 29 bouts d'armure. Et vu qu'on a ce qu'il faut, après tout, pourquoi s'embêter? On va faire même l'armure en fait suivante. Et voilà. Ce qui fait qu'actuellement on a la dernière armure du jeu, chers amis. Voilà. Hop. Un instant, j'ai envie de vérifier juste un truc au niveau des commandes du wiki. Re, chers amis. Alors, attendez, on va quand même faire un petit truc avant de repartir. Maintenant qu'on a cette armure, on va redescendre sur la planète. Il faut qu'on aille chercher quelque chose. Hop. Aïe. Cassez-vous. Il faut qu'on aille chercher quelque chose qui peut être potentiellement dans le tombeau Avian. Donc on va aller le chercher et on va espérer qu'il y soit. Sinon il faudra trouver un village Avian. Ce qui risque d'être un petit peu plus compliqué. Alors. Ah il est juste là. Ah je l'avais pas vu non plus celui-là. Ah salaud! Eh, dis donc, elles sont stylées celles-là. J'en veux une. J'en veux un monstre comme ça. Donc prochainement, en tout cas dans les prochaines, on sait pas trop si ça sera dans les prochaines mises à jour entre guillemets générales, les grosses mises à jour ou dans un patch, on aura accès à la capture de ces monstres-là aussi, chers amis. N'inquiétez pas. Hein. Pour l'instant, on a accès qu'aux critters, donc par exemple les petites boules vertes ou la petite comment, voilà la petite méduse qui vient de s'envoler. Donc c'est ce qu'on appelle les critters dans le jeu. Donc on ne peut les capturer que eux en fait simplement. Mais c'est vraiment que temporaire. Hein. Pensez-y bien. Hop, bientôt on pourra capturer les monstres. Il a même été question à un moment de pouvoir simplement leur piquer leur pouvoir et les réimplémenter en tech. En tech ou en armement. Peut-être que ça se fera entre guillemets vis-à-vis des différents objets. Vous savez les objets comment. Mince, est-ce que j'en ai sur moi? Est-ce que j'en ai un sur moi pour pouvoir vous montrer? Non, j'en ai pas. Par contre, il faudrait vraiment que je commence à ranger mon inventaire. Hop, voilà. Alors, bah c'est pas là que je voulais aller, mais pourquoi pas. Hop, merci. Alors, on va prendre ça. Je sais qu'il fait mal. On cherche donc un Golden Ducky, chers amis. Ok. Ok. Je l'avoue, ça me fait royalement chier pour ce. Hop. C'est un bone normal. Je pense que c'était un bone de. Vous savez, un objet justement dont je vous parlais tout à l'heure. Un de ces fameux objets de comment de. Pas de set entre guillemets, mais plutôt de. Plutôt de comment de monstre en fait qui permettrait d'obtenir un meilleur équipement. Donc c'est ce qui était prévu, je crois, par le gameplay. Donc on verra ça une fois qu'on les aura. Faut trouver les schémas en fait qui vont avec par exemple les gants ou avec le boomerang, et une fois qu'on trouve le schéma en fait on peut en réaliser une version améliorée en fait normalement de l'arme. C'est ce qui est prévu en tout cas dans le patch note je crois. Donc voilà ce qu'on va rechercher ensuite entre guillemets. Alors qu'est-ce qu'on a par là? Alors voilà sur quoi, sur le genre de sur quel genre de zone on pourrait retrouver techniquement un Golden Ducky. J'ai toujours pas compris ce que faisait le clic droit. Hein. On est d'accord. Ça pue du cul par là.
On est d'accord. Bon. Un petit coup de heal. Hop. Il semblait qu'on pouvait en trouver là-dedans, pourtant je me suis trompé. Peut-être rare, hein. C'est peut-être plus rare que ce que j'imaginais. Hop, les. Dégage. Bon, il n'y en a pas un seul en tout cas. Hein. Ah, tiens, ça c'est. Ah, oui, d'accord. Ok, pourquoi pas. Quoi? Ah, oui, je pensais qu'il m'attaquait pas, je me disais merde. Bizarre ce clic droit. Hein. Je sais pas à quoi il sert. Je sais pas du tout à quoi il sert, à vrai dire. Hop. Rien du tout. Pas le moindre golden ducky. Est-ce que je devrais aller vérifier s'il y en a? Ou non. Si j'arrivais à viser correctement, ce serait cool. Ok. Ok. Bon, on les a eus finalement. J'imagine qu'en fait ça revient par là. Voilà. Ah, c'était plus par là. Non, je sais pas. Apparemment non, hein. Bon, 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 est-ce que je vais devoir aller chercher un golden ducky tout de suite ou est-ce que j'y vais ensuite? Excellente question. Excellente question. Excellente question. Je ne sais pas. Je ne sais pas, chers amis, à vrai dire. Je sais pas. Bon, on va lancer la mission, c'est pas grave. Hop. Alors, mission, Weapon Testing Site, il me semble que c'est ça normalement. C'est parti. Alors. Alors, alors. Allons-nous avoir le niveau pour ce boss? Quand on a de l'armement efficace. Donc bon, peut-être que oui. Là-dedans on trouve rien, ici rien non plus, ici rien non plus. Cool. Ok. Bien joué. Ok, bla, bien joué. Ok. On s'en sort pas trop mal, heureusement qu'on a l'armure du niveau suivant. Ah, bien joué. Bien joué. Bien joué. Bien joué. Ah, salaud. Petit coup de... Hop les. Hop les. Ah, bien joué. Ah, bla. Ok. Est-ce qu'il va y arriver? Ah, ça augmente ma cadence de tir.
Ah, bien joué, bien joué, bien joué. J'aurais dû utiliser le grappin, j'étais stupide. Ah non, il marche. Pourtant. Ok, je prends 0 dégâts dessus. C'était cool. Oh là 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 là. Bouf. Ah bah je l'ai eu. Cool. Par contre, oui, je suis complètement full. C'est vrai que ça, j'ai pas pensé à le faire, mais. Hop. J'ai des armements moisis sur moi. Hop, voilà. Salut. Ah, Heat Protection. Bon, c'est cool. Est-ce que tu m'as ouvert la porte? Oui, il m'a ouvert. Ici, on trouve rien. Ok. Back to shit. Alors. Donc, on a une protection, une Heat Protection qui est donc améliorée, entre guillemets. On va quand même se rendre à l'autre poste, rendre la quête, définitivement. Ah bah il y a même d'autres qui sont disponibles. Ah oui c'est vrai, alors ça je vais devoir utiliser le Starbound Map chers amis parce que sinon ça va durer une plombe. Winning Ticket, je l'ai toujours sur moi donc tiens. Yo, Treasure Map, ça j'en ai pas. Lever, en voilà un, merci. Hop, ici, Golden Ducky, on l'a pas, comme vous le savez. Ici, Big Bone with Carving, il va falloir que je retrouve un village floran. Ce qui va être Cascoy. Il va y avoir beaucoup d'exploration dans les prochains épisodes, chers amis. Hein. Donc, exploration, 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 exploration. Ok. C'est bête, j'aurais bien aimé que pour l'explo, j'ai une overbike. Mais je n'en aurai pas. Je n'en aurai pas. Eh bah écoutez, moi chers amis, je pense que je vais aller sur Starbound Map. Je vais aller noter tout ça et je vais revenir dans un prochain épisode vers vous. Encore une fois, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la pouce vériser, le commenter, le partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam joueur de la Playroom pour retrouver le lien dans la bannière de la chaîne. Vous pouvez aussi donc du coup en rejoignant le groupe Steam et en allant donc à l'accueil, retrouver l'adresse IP et le port du serveur. Donc voilà, et vous pourrez vous connecter et jouer avec d'autres gens grâce à aux revenus de la chaîne simplement. Encore une fois, merci à vous pour votre fidélité, c'était Marcus Bonus dans la Playroom, à plus pour d'autres aventures, salut les gens.